Et bonsoir, je suis pas prêt, je suis pas prêt. ah bah ça commence, voilà, le stream commence, je suis un peu à la bourre, et GOG me dit qu'il veut faire une mise à jour. Allez, on va voir si ça va pas écrouler le stream, j'espère que non. Bah j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts pour cette seconde partie de Monkey Island 2. Désolé, désolé de faire des bruits de bouche, je viens de manger un petit bout de chocolat. Voilà pour me mettre en forme. Et je ne sais plus. Oui, donc j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes prêts, voilà, pour Monkey Island 2. On avait commencé la dernière fois, on avait terminé. Salut Séverine! Comment vas-tu? On avait commencé. On avait terminé Monkey Island 1 et on avait commencé, on avait peut-être fait une heure du 2. Donc voilà, un petit upgrade graphique, le jeu a l'air encore assez drôle, au moins autant que le 1 pour l'instant. Et ça va être chouette. Dis-moi, j'espère. J'espère que ça va pas être trop chiant. Et l'interface. L'interface a été upgradée aussi. Donc voilà, on peut sélectionner les trucs à la souris. La molette est gérée. Enfin, c'est. Ah ça y est, on arrive dans les années 2000, quoi. Alors, le jeu est plus vieux que ça, mais la refonte, du coup, ils ont pensé à rajouter quand même des trucs à l'interface. Ce qui est quand même vachement chouette. En parlant d'interface, concernant la mienne, pas de grands changements ces derniers jours. Voilà, j'ai pas eu trop de temps de bosser dessus. Là, j'avais tout cassé sur les alertes. Normalement, j'ai tout remis bien. Normalement, les alertes de follow fonctionnent. Les alertes de raid sont incessamment sous peu les alertes de raid. Le mec kiffe, ça fait 2 semaines qu'il dit ça. Mais vraiment incessamment sous peu les alertes de raid. Bah on va aller. Je vais lancer le jeu déjà, ça peut être pas mal. Hop, un petit jeu, lance-toi. Alors s'il veut bien se lancer, parce que tout à l'heure j'ai essayé de le lancer, il plantait au démarrage. Ce qui n'est pas génial. J'aime pas très très. Alors. A priori, il est là. Peu de musique? Ah, si, il y a de la musique. Si, si, il y a de la musique. Tu casses tout ce soir. Ouais, non, mais c'est une habitude chez moi de tout casser. Je vais casser la baraque. Oh putain, cette expression sortie des années 60. J'ai fait une petite modif sur le stream, vous allez voir ça tout de suite quand je vais switcher sur le jeu. Coucou Bibi la Diva, comment ça va? Et donc attention, j'espère que vous êtes prêts. Gros gros changement. Attention, ça va vous époustouflifier. Hein. Merde, le jeu a planté. Ah merde, le jeu a planté. Ah, le jeu aime pas en fait quand on quitte la fenêtre. Et voilà, et j'ai une bordure maintenant sur ma cam. Regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est plus juste la cam comme ça à l'arrache. Maintenant, il y a une bordure. Et pour celle qui va demander, oui, c'est exactement les couleurs du reste de l'habillage. Oui, j'ai repris exactement les mêmes couleurs. Parce que la question va m'être posée, hein, évidemment. Ça change tout, hein. Ça change tout. Bah ouais, c'est vachement mieux, je trouve. Pourquoi le jeu? Ah, attendez. Oh, regardez, le jeu est là. Pour une fois, ça se voit en même temps. Eh. Donc voilà, regardez, je peux hop, mettre ma main. Et maintenant, j'ai un carré parfait aussi. Chose que je n'avais pas. J'avais fait ça un peu à l'arrache. J'avais pas trop fait gaffe. Donc maintenant, je suis dans une vraie boîte carrée. J'ai un peu traficoté aussi la cam, histoire que la qualité soit un petit peu meilleure, que le focus se fasse pas automatiquement, donc ça évite qu'il y ait des effets de focus à la con. A priori, je suis pas flou, et si je suis flou, c'est pas trop grave.
Donc voilà. Bah sur ce, on commence le jeu. Il est lancé. Il est lancé, il a même pas planté en fait. Il s'était juste réduit. Je suis mauvaise langue. Hop là. Qu'on avait joué combien de temps? Ouais, c'est ça, on avait joué 43 minutes. Êtes-vous sûr de vouloir charger? Bah ouais. 26. Alors, petite technique, quand vous répondez à quelque chose que je dis, remettez un peu du contexte. Par exemple, le Bincy, je ne sais absolument pas sur quoi il est... à quoi il fait référence, en fait. Oui, je sais. Non, mais voilà, il y a un peu de décalage, donc... Faut pas que tu sois flou. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Il y a des grès. Hein? Ouvrir. Ah oui, d'accord. Le bateau. Qu'est-ce que je peux faire avec le bateau? Regardez le bateau. Tu regardes le bateau? Et regardez le bateau. Salut Twinsen. T'as Twinsen qui attaque direct, quoi. C'est vraiment. Salut! Au fait, si t'as besoin d'astuces, je suis là. Ok. Je note. Donc, pas d'astuces. Si je ne demande pas, par contre, hein. On est d'accord là-dessus. Si je ne demande pas d'astuces, il n'y en a pas. Par contre, je peux en demander. Je sais plus. Ah oui, j'avais obtenu la cire. J'avais obtenu la cire. Moquet. Okay. Bonjour Certificator, comment allez-vous? Combien de temps allez-vous rester aujourd'hui? parce que généralement, on a juste le droit à un salut. Et après, tu te barres. Oui, c'est le début Twinsen, on est au début du jeu. J'ai 43 minutes de jeu en fait là sur le 2, donc. On est vraiment au début. Oh Bibi la Diva, ça fait longtemps. Mais qu'il est con. Eh, hey, salut Avorpal. C'est chouette de te voir. Tu as vu comment... Ah, j'arrive toujours pas par contre à me présenter dans l'espace. Tu as vu maintenant, regarde ceci, regarde. Hop, regarde ça. T'as vu ce magnifique cadre autour de moi? T'as vu ça? Cette technologie. Pas du tout fait. Pas du tout fait en 30 secondes sous The Gimp. Hein. Absolument pas. Hein. Je vais refaire la vidéo. Alors donc en Alsace, c'est pas ouf. La Normandie, génial, comme d'habitude. Hein. Petite pluie, mais juste nickel. Enfin, il me faut un fond vert. Non, il me faut un fond vert. Il me faut vraiment un fond vert si je veux faire de la météo, quoi. Je stream aussi du coup, j'ai envie de jouer. Tu peux arrêter et faire arrête chez moi, merci. Évidemment, Avorpal, je viens de commencer mon stream, donc évidemment que je vais te balancer tous mes viewers direct. Coiffé au poteau par Twinsen. Ah d'accord, okay, tu voulais faire la même blague. Prends un drap, mais en plus j'ai un drap vert. Hein. J'ai un drap vert que Bibi la Diva... Conchi, je pense. J'ai aussi un t-shirt vert que Bibi la Diva et Séverine Conchi encore plus. Mais j'ai... voilà, un drap vert pourri. Je m'en doutais. Je l'ai vu venir. Ah, vous me faites rire ce soir, c'est bien. Voilà, j'ai de la cire. Qu'est-ce que je vais faire avec la cire, quoi? La cire, chien fidèle, évidemment. J'ai commencé les vannes pourries. Attendez, voilà. Hop, j'ai bloqué ma roulette. Comme ça, c'est... Ah oui. C'est mieux avec l'écran. C'est bien, c'est mieux avec l'écran. Des heures de Photoshop. Mettre des paillettes qui volent, genre filtre Messenger. Nope.
Et on arrive dans le sentier. On arrive dans le sentier, c'est un quartier de Paris. C'est un pic, c'est un cap, c'est un roc. Que dis-je? C'est une péninsule. Je peux aller à des endroits, c'est bien. À la plage. Ne me parlez pas de ce drap vert, bordel, je les hais. Ah non, Séverine, toi tu ne hais pas le drap vert. Le drap vert, tu ne le connais pas. Toi, c'est le t-shirt vert que tu exècres. Attention, c'est pas pareil. Attention. Oh, les whiz façon MSN Messenger. Oh, putain, je me rappelais même plus de ce truc, les whiz. Elle prend le bâton. Il prend le bâton. Oui. Récupère le bâton. C'est bien. Désolé. Bah, brûle le t-shirt aussi. Il est vachement bien le t-shirt. Et il me va parfaitement. Bicouze. Et marqué Think outside of the box dessus. C'est tellement moi. C'est tellement moi. Je suis pas centré hein, dans la cam. Je me décale un peu. Je vais rester comme ça tout le long du stream. Faudra que je règle. Si je me décale un peu comme ça. Ouais, c'est mieux. Je suis plus en face, mais c'est mieux. Putain. Bon. Qu'est-ce qui marque le panneau? Steamin' Weenies, 20 feet. Qui veut des saucisses? I can't pick that up. Est-ce que j'emmerde mes copains pour leur raconter une histoire dont ils se foutent éperdument? He's back. Oh là là, mais vous voulez que je brûle mes habits là? Mes habits et mes draps quasiment pas troués. Tell me about this Largo guy. A two-bit thug. He's nothing but a low-down weasel. So why don't you kick Largo off the island? Well, we would. But he was very close to LeChuck. But LeChuck's gone forever. I heard they never found his body. That's because I blew it into 1,000 pieces. Oh no, not this story again. Je crois qu'il me... Il me croit pas, j'ai l'impression. Never tell you about the time I kicked LeChuck's butt. Look, Guybrush, besides the fact that we'd all rather die, hear that story again. Les salauds. There's another reason you shouldn't go spreading that story around. Largo LeGrand is back on Scab. He used to be LeChuck's right-hand man. You don't want to get Largo on your bad side. Ah oui, d'accord. Il va encore me bolos, quoi. Je crois bien que les draps ont l'air neufs à côté de tes t-shirts. Eh bien, ce t-shirt, sache-le, je l'ai mis que très peu de fois. J'ai dû le mettre deux ou trois fois, en fait. Donc, il est un peu plus neuf. Et Tonio Bapoil, alors je ne doute pas évidemment que ça me rapporterait beaucoup de viewers. Malheureusement, c'est interdit dans les conditions Twitch. Donc je ne peux pas. Voilà. Mais par contre, tu peux aller sur Chaturbate et j'ai une caméra sous le bureau. Et voilà, tu peux profiter du spectacle en fait de ma caméra sous bureau sur Chaturbate. Je peux ban George. le ban pas, mais tu peux lui faire un petit time out. Tu lui fais un petit time out 600 secondes. Juste impeccable. Comme ça, pendant 10 minutes, il peut pas parler. Mais le ban pas. Ça va me retirer un viewer. Déconne pas. How's the pirate biz? Horrible. The sailing embargo has all of us pirates landlocked. We can't go about our business. Some of us tried pirating on land, but it just didn't feel right. C'est d'être pirate sur la terre. What's this about an embargo? The Largo embargo. Well, it's not really an embargo. It's a tax on ships coming or going. But it's a huge tax that no captain on this island can afford. Including Dredd. That fool Largo doesn't know when to stop. He can't take more from us than we have. C'était classe ça.
Tiens, c'est marrant, tu m'avais jamais parlé de sa deuxième cam. Première. T'es intéressé? T'as l'adresse de ta deuxième cam. Bah, c'est chaturbate.com/tonium. Hein. Normal, quoi. Quand on voit son canard, on peut se poser des questions. Oh, le pauvre. Le pauvre. Le pauvre certificateur qui se fait défoncer toutes les 60 secondes. Attention, Bibi, parce que je peux bannir les modérateurs, moi. J'ai le croc au-dessus, tu vois. Any idea where I could hire a ship? You'll need to go to the far side of the island. And there, you'll meet a man named Captain Dread. Yikes. Sounds intimidating. Not really, once you get to know him. Of course, he can't take you anywhere until Largo lifts his sailing embargo. You guys know any piratey songs? Sure. Fink here knows a million. Go ahead, Fink. Sing that one about Scab Island. Oh, all right. Well, I'd rather be a pirate on Scab than a scab on a pirate. And if you'll listen to me, Gab, I'll tell you why I admire it. Oh, the people are too friendly. The weather's not the best. The lodging's too expensive and Largo's quite a pest. But the thing I like about Scab is what it hasn't got. No mayor or police force and no jail. Pas de police. Pas de police. That was beautiful. Ça y est, le jeu est de nouveau de gauche. Ta moyenne de viewers va baisser si tu fais ça. Ah, tu sais, maintenant, ça y est, j'ai mes 3 viewers de moyenne. Je peux être affilié, il me manque 12 follow. Bon, je peux me le permettre maintenant. Non, je déconne, hein, reste, évidemment. Hey ! Salut Season ! Oh là là, ça y est. Il y a Season. Season et sa clique qui débarquent. T'as trop bien. J'ai pas encore coup Season, coucou tout le monde. Salut Grand Tif, salut Mikage, oh là là, mais que des gens que je connais. C'est cool de vous voir. J'ai pas encore mis mon alerte de raid. Mais maintenant, regardez, j'ai un beau cadre. Regardez, je suis super content. J'ai un super cadre coloré autour de ma caméra. Voilà, je suis très fier des 30 secondes que j'ai passé sous The Gimp. Grand Tif imposteur. Putain, tu t'en es parmi toi. Hein. Tu t'en es vraiment parmi. Bah merci pour le raid, ça me fait très très plaisir. Voter Daniop 100% imposteur. C'est pas vrai. Oh là là, mais ça va me coller à la peau, ça. Ça va rester. Hein. Faut pas que je dise de conneries devant tous tes amis. Alors, mais si, ça m'évite d'en dire en fait. plus tu diras de conneries, et moins j'en dirai. Donc c'est chouette. Et merci encore pour le raid. Et tu joues à quoi du coup, Season? Et donc nous sommes sur Monkey Island 2, on a terminé le premier. Et donc voilà, on a directement enchaîné avec le 2. Et tout aussi drôle, c'est chouette. The Division, puis Genghis Khan, ok. D'autres chansons? D'autres chansons? C'est pas que j'aime pas, mais ma pizza m'appelle. Il y a aucun souci, va manger. Il est quelle heure en plus? Ouais, non, voilà, il est 21h, franchement. Tu mérites d'aller bouffer. Je t'ai inscrit pour Multiland de demain. Tu verras le ping. Ok, bah ouais, en fonction des jeux, il y a pas de problème. Je serai là, des bisous et bonne app. Et encore, merci pour le raid. Ça me fait super plaisir. Du coup, j'ai pas lu ce qu'il disait. Let me try one. Oh, 100 bottles of beer on the wall. 100 bottles of beer. You take one down, pass it around. 99 bottles of beer on the wall. Oh, 99 bottles of beer on the wall. 99 bottles of beer. You take one down, pass it around. 99 Bisous, Bibi. Bottles of beer on the wall. Oh, 98 bottles. Je me fais bannir elle par Bibi. 98 bottles of beer. You take one down, pass it around. 97 bottles of beer on the wall. Oh, 97 Vous pensez qu'on peut arriver jusqu'à zéro ou pas?
97 bottles of beer. You take one down, pass it around. 508. 508 bottles of beer on the wall. Putain, ça va être long. Oh, ça va être long. 508 bottles of beer on the wall. 508 bottles of beer. 42. You take one down, pass it around. Da 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 da. Oh, 42. Merde. Bon, on va passer à 4. On va voir si on va le laisser finir. J'aime bien les... Mais c'est un truc que j'adore. Honnêtement, possible d'atteindre les 0. Ouais, bah ouais, là, je suis reparti à 4, donc on va le faire. Mais c'est ça que j'adore dans ces jeux, c'est que de temps en temps je teste tout. C'est chiant, on se fait chier, ça dure des heures, mais qu'est-ce que c'est drôle. Oh non! Oh le salaud! Oh, j'ai fait bugger le jeu. Three bottles of beer on the wall. Oh, three bottles of beer on the wall. Three bottles of beer. You take one down, pass it around. Two bottles of beer on the wall. Allez, on peut y arriver. Oh, j'y crois. Two bottles of beer on the wall. Two bottles of beer. You take one down, pass it around. Oh non! On se fait gruger, quoi. C'est comme dans Borderlands 2, quand Clappy... Okay. J'ai pas fait les Borderlands, donc du coup j'ai pas la ref. Je plante tout ce soir, mais c'est pas vrai. Allez, les guimauves. Oh non! It's the stuffing for under my iPads. We're just sterilizing it. We're pirates, Guybrush, not Girl Scouts. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça soit un lapin ou une connerie dans le genre. Ou alors, faut le laisser tourner en partant de 508. En gros, il te fait un discours interminable. D'accord, ok. Mais c'est rigolo, en fait, que les devs mettent ça... Et des trucs... Alors, il y a des trucs qui... dans le 1, par exemple, qui tournaient en boucle, en fait. Au bout d'un moment, on se rend compte que c'est une boucle, en fait. Mais... Après, pour l'époque, voilà, fallait. La place était limitée, donc je pense que. Mais sur les jeux récents, oui, il y a moyen de faire des trucs. Potentiellement, maintenant, avec de l'IA, en fait, qui te génère des phrases à la volée qui veulent dire des trucs, quoi, qui sont un peu connes, mais qui veulent dire des trucs. Mais. Ça pourrait être faisable. Well, I'll see you salty dogs later. That reminds me, do we have any weenies left? Ah! Ils veulent des weenies. Winnie... C'est combien les Winnies? Il va falloir des sous. Le mec a la flûte derrière. Looks closed. Rap Scallion Steamin' Weenie Hut. Place order here. Ah mais il est pas là. This door appears to be locked. Looks closed. Ok. Des Winnies l'ourson. T'es toujours là, toi? Alors, par contre, je ne sais pas si tu sais ce que les... C'est un mot d'argot aussi, Winnies. Winner. Ça... Ah! Attendez. Merde, j'ai fait le con. Déconnez pas, j'ai cliqué à côté. C'est chiant, ça. À chaque fois que je clique à côté... Ça casse tout. Faut faire super gaffe. Le tronc. Ça fait vraiment penser à Dora quand même. Le tronc. Prendre le tronc. Est-ce que je peux prendre les troncs? A winner, c'est une caquette. Too heavy. He's back. I told you, we don't have any marshmallows. Well, I'll see you salty dogs later. T'as vu comment je suis culturé en anglais? Comme les saucisses chez nous? Bah ouais, non mais exactement quoi.
Bon, on va aller voir dans les marais, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Prendre les marais? Hein? Ah, d'accord. Il nous faudrait un contenant. Regardez, j'ai un seau. Wow, a whole bucket of mud. Eh? All mine. J'ai un bucket of mud. Le seau de boue. Est-ce qu'il est pas assis? désolé. Désolé. Vous voyez quand. Bah quoi? Tu me dis rien, Twinsen. Attention, je vais me fâcher. À quoi il va servir? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore d'idée. Mais. Il va forcément servir à quelque chose. Et donc, ouais, j'allais dire, vous avez vu, quand le certificateur est pas là, c'est moi qui fais des blagues pourries. C'est dommage. Son prénom est Jean-Jacques. Et Twinsen, tu es ivre? Creepy, but apparently seaworthy. Je suis content que tu fasses cette blague. Eh, t'as vu ça? T'as vu ça? Le saut de boue. Hop, faut que je pousse. Ah bah non, je reviens dedans. Merde. Merde. Pagaie. Allez, pagaie. Jean-Jacques debout. Oh là là, les rêves de vieux. T'as quel âge, tiens, Twinsen, si c'est pas indiscret. T'as 40 ans, ok. Putain, c'est un peu creepy quand même, non? Oula. Oh l'air. Le mec fait des blagues avec deux bouts de ficelle. Waouh! Eh bah tu. Putain, certificateur, tu savais? Tu savais qu'il allait avoir de la ficelle? Mais comment? Aurais-tu déjà fait le jeu? Les livres, le bocal. Les livres. Non, that stuff's way too technical for me. Putain. No thanks. I don't need it. Ash to life, the uncremating cream. I don't think I'm qualified to handle them. And anyway, they're gross. I don't think I'm qualified to handle them. And anyway, they're gross. Ok. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a le skull. Well, it appears to be bolted to the table. Bah faut le déboltide. J'utilise de la cire. I don't want to polish that. Non, ça marche pas. J'ai rien dit sur la ficelle. Oh, Twinsen, toi tu as rien dit. Oh non, je disais certificateur. Enfin, je crois. C'est le mojo, et c'est des blagues, et la Jamel debout. Oh là là, mais dis donc. Mais dis donc, tout le monde a sucé un clown ce soir, ma parole. C'est notre copine du 1. Bah ouais. Est-ce que je vous ai déjà vu quelque part? Oh, le mec qui a pas de mémoire. Ah, we often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with LeChuck. I told you where to find the voodoo anti-root and how to turn it into the powerful ghost-dissolving potion you needed. Oh, yeah, now I remember. On est des bouts en train. Waouh! Alors celle-là Twinsen. Celle-là Twinsen, elle est chouette. Franchement, celle-là, je l'ai pas vu venir. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Bon, sur ce, on va y aller. Je voudrais pas risquer une fracture des zygomatiques. C'est parce que tu rigoles pas assez. Si tu avais de l'entraînement, si tu rigolais assez souvent,
Voilà, tu n'aurais pas peur. Tu n'aurais pas peur. Dommage. C'est normal, j'ai de la bouteille. Waouh, putain, mais... Putain, on va pas s'arrêter, quoi. Non, non, chouette, chouette. Bah, bisous, bisous, Bibi. Merci d'être passé. Repassez plus tard avec Certificator, si tu veux. Vous êtes évidemment les bienvenus. Hop. Alors, on va parler de l'argot. Man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once LeChuck's right-hand man. Yeah, but LeChuck's history. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Ah merde. Putain, on va se taper Darmanin pendant un bon moment encore alors. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person, and no one's brave enough to go get them. Ah, bah s'il faut quelqu'un de brave. Voilà. What kind of ingredients do you need for the doll? Mais voilà. Are you willing to help me make one? Maybe. To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the four basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing, and a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body, and from his dead relatives, you must acquire some remnant of a corpse. Here, take the shopping list. Thanks. Now go. Je vais finir par être bouleversé. Putain. C'est du boulot de faire des blagues. Putain, merde, les mecs, ils s'arrêtent plus. Et après, on dit que toutes les calembous sont de ma faute. Mais merde. Putain, vous êtes cons. Donc, moi, j'ai retenu juste qu'il fallait du fluide qui vient de l'argot. Alors, si je n'avais pas vu son crachat dans l'hôtel... ça m'aurait vraiment fait peur. Bisous Séverine. Trop d'humour pour moi. Ouais, non, mais je... J'imagine. Hein. J'imagine. C'est vrai que ça fait beaucoup, là. Mais... On pourra pas faire des blagues sur chaque objet dans son inventaire. Oui, effectivement. Hein, là, c'est... Je vais rester dans mon coin. Koa. N. Comment j'ai foiré ta blague. Je vais jouer dans mon coin. Koa N. Attendez. Parce que là, si on met de la ficelle sur un crâne, ça fait pas des cheveux ? Non, ça ne marche pas. Ouais, je dis pas rien moi si. Ah ! Tu vas jouer dans ton coin. T'as pas envie de dessiner une mare par hasard, non? Bon, j'ai la liste de ce qu'il faut. Ah, elle en peut plus de mes canards, hein, Twinsen, si tu savais. Elle les supporte plus. Je ne la lirai pas, celle-là, Certificator. Celle-là, je ne vais pas la lire. Hein? Ouah, une chauve-souris. C'est trop mignon, les chauves-souris. Je peux toucher? Non. Alors, les croix. Stands casual crosses for graves that don't need to dress up. Et vous pensez que... Pensez qu'il y a une bannière pas loin. Ce serait les croix et la bannière. Non plus, non. Je reviens, je vais bouffer. Ah non non mais ah, Twinsen, je sais pas si tu vas vraiment manger ou pas. Si tu vas vraiment manger bonne app. Et si tu vas pas vraiment manger bonne blague quand même. La mare, c'est pour demain? Ah, il va falloir que je bosse demain, du coup, alors.
Quel dommage. C'est Stan. Oh, c'est le retour de Stan. Stan a arrêté les bateaux et maintenant il fait des croix. Warning. Quarantine tomb. Inhabitants died of green tongue fever. Green tongue fever? Looks like it's been sealed shut. But then again, why would I want to go in there? C'est vrai? C'est vrai? Mais genre, si tu allais à la pelle. I can't dig that, daddy. Ah, par contre, je peux pouvoir utiliser la pelle par contre ailleurs quoi. I can't dig that, daddy. Stan's casual crosses. OK. Stan, on le verra pas barré là s'il en parle, j'imagine que du coup on va le revoir quoi. It looks like it's been sealed shut. OK. Stan's cozy crypts, a place to spend eternity, not a fortune. It's locked shut with a big rusty lock. It looks like it's been sealed shut. Ah, les relous là. Here lie the Gordo brothers, too big for any ship. Let's hope the earth can hold them. I can't dig that, daddy. La veste à carreaux qui bouge pas. OK. The grouts. No trespassing. It looks like it's been sealed shut. These spots reserved for our privileged future customers. Ah. Here lies daredevil Jim McDowell. Hand of steel, leg of wood. Jim took every risk he could. A life of action, that was Jim's. Too bad he ran out of limbs. C'est chouette comme épitaphe. No man je veux ça, moi. Jean-Louis, not on land and not on water. John did whatever he did please, until he kissed the gunner's daughter. There once was a girl named Carrie, who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. Marco Largo Legrand, hell on sea or sand. The good news is he's dead. The bad news is he bred. c'est sympa, dis donc. Nice. I can't dig that, daddy. Pourquoi tu pourrais pas? Pourquoi tu pourrais pas? This is creepy feeling. Ah. I swear on my grandfather's grave, something weird is going on. Ah bah oui. Effectivement, oui. On vient de choper une jambe quoi, je pense. C'est quoi ? L'os. Bon, j'ai chopé un truc déjà, c'est pas mal. Great recipes from the International House of Mojo, page 139. Aunt Helen's special voodoo doll mix. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Alors, faut que je trouve quelque chose pour ramasser le gros glavio qu'il a laissé dans l'hôtel. Oh, des petites chauves-souris, elles sont trop choues. Ok. Est-ce que je peux faire ça? Bon, ça ne marche pas ici. Allez, on y va pour la péninsule. Le bateau maison. Le panneau. It says, and I quote, Captain Dredd's ship charters, 20 pieces of 8, inquire within. OK, ben on va aller à l'intérieur.
voir ce qu'il a à nous offrir. Quand même chouette ce jeu. Hein. Hey, salut Melzekiel. Tu as malheureusement manqué la série de blagues. Voilà, faudra que tu te fasses la VOD juste le début. Tu as manqué les meilleures blagues. Vraiment, vraiment. Et regarde, j'ai un cadre maintenant autour de ma caméra. Regarde ça. Je peux toucher le cadre. En fait, j'arrivais pas à le faire de manière numérique. Donc j'ai fait un vrai cadre en fait. Là. j'ai fait un truc que j'ai peint. Et il est placé comme ça devant ma gueule, là, bien, bien droit, comme ça. Hop. Et c'était chouette. Je me suis bien amusé. Alors, on va parler à Judge Dredd. Are you Captain Dredd? Yeah, man, I'm Captain Dredd. What can I do for you? La petite musique rasta. Chouette, ouais, bah, allez, chouette coiffure. Thanks, man. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because a while ago, I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it. No way, man. Besides, that mean and nasty guy Lago, he has an embargo on the island. No ships can sail in or out without his approval. There's no way he would let me leave. Tell me more about that necklace thing you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. No, pas eux. But my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Ah, attends, on va retrouver les cannibales. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Besides, Lago has an embargo on the island. I gotta run. Lots okay. Treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Okay. Bon. Le crachat. Ah, il va falloir que je rentre. Ouais, il va falloir que je lui pique des fringues. Donc, faut retourner forcément à l'hôtel, en fait. À l'hôtel, je vais pouvoir les fringues. Il y a les fringues, il y a le crachat. Et peut-être un cheveu quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, le mec il nous laissait pas rentrer, mais il y avait l'autre dans la cuisine. Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qui se passait dans la cuisine. Il y a l'autre avec ses patates. Si je mets de la boue là-dedans, il va pas être content. I hate Bichisoise. It's a cold potato and leek soup. It's too heavy. Okay. Y'a lui qui veut pas me parler. Et y'a des conserves. I hate fruit cocktail. Qu'est-ce que je peux faire? Le bâton. Ah, pour... The barkeep might see me. Ah, faut repasser par la fenêtre. Voilà. Oh
un petit peu gêné parce qu'il s'est pété la gueule, évidemment. Là-haut, il y avait... Ah mais non, les fringues. Les fringues, ça doit être les fringues de l'argot. Exact. D'accord, ok. Donc, je pense que le cheveu... Le cheveu doit être dans la chambre de l'argot. En haut, c'est ses fringues. Et il y a le... Il y a le crachat... non, le crachat, il est pas là. Ah non, le crachat, il est au bar. Hold it right there. I told you, no going up there. Ok. Faudrait trouver quelque chose, en fait, pour le... est-ce que je peux rentrer ici? Non. Ok, au bar masqué. Oh. Ok, so. Mais non, je t'ai pas dit de rentrer. Oh là là là. Doesn't seem to work. Ah, le bâton. J'ai pas le droit de la faire. Oh, et ah, bon. I don't want to gunk up the blade. Pas casser la lame. Genre la ficelle. That doesn't seem to work. It's blank. Ah, mais le papier, je peux écrire des trucs dessus. Everything looks all blurry. I think it's yo-yo string. Okay. Le seau. C'est quoi ici? Ah oui, c'est le mec qui fait des cartes. Non, je compte pas finir le jeu ce soir. Hein. Clairement, enfin, je pense qu'il y en a plus que pour 3 heures. Si je veux faire ça pas trop mal. Est-ce que lui, je peux pas lui filer un papier vierge? What would I do with that? Non. What would I do with that? Ouais. Le rat, il aime bien le fromage. Est-ce que je peux pas remettre le seau plein là? I don't think that'll work. Il y a les panneaux. That wouldn't be wise. That doesn't seem to work. Okay. Nice. Je peux découper. La ficelle, ça peut pas marcher avec la boîte là? That doesn't seem to work. Non. Ok. All he wants right now is sleep. Okay.
I have better things to do than beat up baby reptiles. Oh. Il est pas si méchant en fait. Be with you in a second. OK, le registre. I'd have to have a room first. You're supposed to leave these things open. Hmm. Only one guest. Yes, but that dang Largo eats like 30. Y'a quoi qui est cliquable ici? Ah, la corde, qu'est-ce que je peux faire? It's securely fastened. I don't want to polish that. Ouais. I don't think that'll work. Tout faire. Hein. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Si je regarde plus près. Donner le monocle vert. Oula. Ah, le monocle, je pourrais le filer à quelqu'un. Qui en aurait besoin? Lui? Le monocle? Don't bug me. I'm busy. Non, évidemment. Que je file le monocle à quelqu'un. Si je le file au vieux. J'ai essayé de le filer au vieux ou pas? J'ai plus. Je sais déjà plus ce que j'ai fait. Ouais. Pauvre petit vieux. Ok. Je vais essayer de le filer à tout le monde, hein. On va y aller. Lui, je suis sûr que ça lui servirait en fait. Ah, je peux même pas le. Ah, je peux même pas l'utiliser en fait. Lui, il veut plus rien, il veut plus rien me donner lui. Hein. Qu'est-ce que. Lui, t'es sûr qu'il veut un monocle? No thanks. Merde. J'utilise sur le crachat. Le monocle en fait c'est vraiment donné le monocle. Hein. Tu ne boucleras pas. Putain merde. Non, clairement, ce sera pas fini soir, c'est sûr et certain. Vu le. Vu le temps que je mets à. À faire les énigmes. J'ai cette file de monocle à tout le monde. No, thanks. T'es sûr? Tu veux pas de la ficelle? Est-ce que tu veux pas de la cire? Je peux cirer ton. Ta chaise. Je vais cirer les. Je vais être super sympa. Je vais lui tirer les jambes de bois. Pounds and pounds of nails. I need all of them. It's a bucket full of mud. Ok, bucket of mud. Un couteau. Thrifty dig for the treasure hunter on a budget. Sharp. Everything looks all blurry. Nice. Moi, je peux le finir en une heure. Oui, mais toi, tu le connais par cœur, c'est ça la différence avec moi, qui n'ai jamais joué. Putain, j'ai tout lu. Qu'est-ce qu'il fallait là? J'ai un bâton et une ficelle. Ça fait une canne à pêche, ça. Oh non mais le mec, putain. Je peux touiller la boue aussi, non. Je peux faire une ficelle boueuse.
Je peux faire un monocle à la boue. Un monocle qui cire. Merde. Non. Pas un bat, on a Batman. C'est pas un bat on. Un bat on. Ah d'accord. Ok, ça y est. Ça y est. Ça y est, je... Ami du temps, mais je pensais que tu parlais d'une chauve-souris. Pas un bat. Et, bat on. Bon. C'est peut-être pas le soir où je devrais jouer à ce jeu en fait. Peut-être pas dans un bon état pour jouer à un jeu où il faut réfléchir. Putain, je suis jamais en état de jouer à un jeu où il faut réfléchir. On a quoi là? Ouais, on a juste les panneaux. On va essayer de reparler aux gens. Excuse me. Yeah, boy. I saw your sign outside. What's the job? Oh yeah, I really should take that thing down. I hired a new cook just this morning, but if things don't work out with him, I'll let you know. Ah. Ah, faut qu'il y ait un truc qui se passe mal. Grog, please. I'll need to see some ID for that. Ah oui, c'est vrai. In that case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. Ça. Largo's been here. Ok. Donc, faut que ça se passe mal avec le nouveau cuistot. Donc, je vais y aller. Et je vais déglinguer sa recette. Est-ce que je ne peux pas prendre. Regardez les conserves. Ugh, it's all cans of fruit cocktail. I hate fruit cocktail. Oui, c'est bien, mais moi j'ai envie que tu. J'ai envie que t'en prennes et que. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Avec le monocle. Mais si je mets la boue dedans là. I hate vichyssoise. Vas-y, mets la boue là. La cuisinière. I'm no cook. I'm no cook. Oui, bah. It weighs half a ton. Je peux mettre dedans là. Un bâton? That doesn't seem to work. Non. That doesn't seem to work. Faut sûrement que je l'allume quoi, mais. Les conserves, avec quoi je pourrais avoir les conserves? Avec la pelle? Can't dig that, daddy. Ah! Ah, le cuistot, je peux lui parler maintenant. I'm trying to work. Excuse me. I said leave me alone. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me. Ah. Excuse me. I'm trying to work. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me. Excuse me. I said leave me alone. Excuse me. I'm trying to work. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me. Excuse me. I'm trying to work. He looks really into his cooking. Excuse me. I said leave me alone. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me. Excuse me. I can't concentrate with you talking to me.
Ok. J'essaie de voir hein, si, si le fait que je lui ai parlé... Non, parce que là, il met rien dedans. Hein. Mais il y a peut-être un truc. Le fait que je lui parle, il peut pas se concentrer. Il peut pas le poke avec un bâton. That doesn't seem to work. Je change le couteau. My scoutmaster would kill me if he saw me use a Mais non, mais je te demande pas de découper le mec. Non, le monocle ça ne marche pas là-dessus. Ok. Si je lui graisse. Il est assis. I don't want to polish that. Non. Merde. Excuse me. I'm trying to work. Ouais, tu détestes ça, ça je sais. Si je mets une pièce dedans. Ah, le mec il se croit riche quoi. En fait, faut vraiment pourrir le plat quoi pour que ça se passe mal, mais je vois pas trop comment quoi. Je vois pas trop comment. Il y a forcément un truc, mais je l'ai pas quoi. Là en bas, il peut me filer du boulot si le cuistot se fait virer ou boire du grog, mais il me faut une pièce d'identité que je n'ai pas. Là on a quoi? Oh shoot. I bet my mom would help me find it. I'm not dressed for wrestling. Hi Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. You know, I could just sit and talk about. Voilà, faut que je lui redonne pour être sympa. Who couldn't? Maps. That's interesting. Well, see ya. Okie dokie. Ah. For crying out loud. Non. J'allais dire le bâton là. Onto the floor. Nobody move. What is that? I can't see a thing. All I want is my monocle. On va essayer. I can't believe somebody would steal it. On va essayer de lui rendre pour être sympa avec lui. Go for help. But I'm afraid to walk around like this. Oh, there it is. Thanks. Putain, en fait, non, il s'en fout. Quel connard. Gang, I've lost my monocle again. I'm ah, stuck idiot again, here forever. Quoi. I'm gonna starve to death in here. I've got enough. Ok, du papier. I'm gonna die hungry, blind and alone. Quoi je peux écrire? Why me? I never hurt anyone. Rats. T'es dans le coin Twinsen ou pas hein? That doesn't seem to work. Bon, je fais une pause de 2 secondes, j'ai un petit chat là qui veut sortir et je vais me chercher de l'eau en même temps. On se retrouve tout de suite.
Hop, me revoilà, ça a été rapide. Bon, Twinsen n'a pas l'air de répondre, il est en train de manger. On va appuyer sur H pour savoir quoi faire. Tu peux trouver un moyen de distraire l'aubergiste. Avec l'alligator, je pense, hein. Non ? Ouf. Ou alors je mets de la boue partout. Don't bug me, I'm busy. I think all he wants right now. Ah mais non, le couteau sur le. Le couteau sur le nœud. Bah voilà, évidemment. Hey, how don't pig biter get loose? Ah, c'était tellement évident. Alors, ça, je le pique. I don't want to steal his bell. I feel bad enough setting his alligator free. Ah, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe. Cheese squigglies. Ah, le fromage. Nickel, c'est pour. C'est pour le rat. Oh, ça y est, tout se débloque. Ça y est. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. Who let you into my room? I thought it was my room. Well, it ain't. So get the f*** out of here. Ah, faut aller vite. Ok. On va essayer de rentrer, mais. Scram, kid. Ok, je me suis bien fait avoir. Ok, je vais pouvoir aller là. Utiliser le fromage. L'omelette du fromage. Sur la tebois. The box is closed. Bah, ouvre-la. Espèce de crétin. Allez, rentre. Allez, rentre dedans. Oh là là. Allez. Petit ratou. Un petit ratou. Au pire bon moment, je sais pas. Merde. Avec la ficelle, pour être assez loin, parce que là il a peur. That doesn't seem to work. Si j'ouvre. Si j'ouvre la boîte, ensuite. Ah ou le bâton. Oh là là, regardez ça, j'ai bloqué la. Ah mais non, faut que je mette la ficelle aussi. Hop, et on tire la ficelle. Oh là 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 là. Voilà. On a le ratou maintenant dans le... Dans le truc. Hey guys. Hey. Youhou. Hey guys. Ah, il roupille là tous là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si je l'ouvre, il va se barrer le rat.
Hein? Quoi? That doesn't seem to work. Bon, Laura est dedans. Nice. Je sais pas ce que ça me donne, mais. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. La sapience. Que je peux faire le saut de boue. I don't think that'll work. Ouais, non plus. Hein. Le couteau. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Ok. Ouais, non, c'est bon. Le rat est enfermé. Bon, on va retourner là. On va essayer de choper un cheveu. I don't need any more. Ok. L'autre, il est plus là. Ah mais la plume, je peux pas prendre la plume. Vite, 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 vite. Yes. Messy, messy, messy. I don't see anything special about it. Hop, on se barre. Voilà. Et du coup. There's strange little white bugs all over it. J'ai ça. I don't think I should do that. I don't think I should do that. Ok, ok. Les vaches. Alors, j'ai les cheveux. J'ai le truc qui appartient... j'ai la jambe de l'ancêtre. Elle appartient à un mort. Il faut encore que j'attrape les fringues. Donc ça, c'est au vieux. I'd have to have a room first. Only one guest. Everything looks all blurry. Crotte, crotte, crotte. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est ok. Il est où l'aubergiste? T'étais pas là? T'étais pas là quand j'avais besoin de toi. T'étais pas là quand j'avais besoin de toi là. Regarde. Hop. Fromage. That wouldn't taste very good. Bah, justement, c'est ce qu'on veut. Oh là là. Oh là là, mais quel glandu. T'as suivi ou pas Ah oui, je sais bien que tu bouffais, tu me l'as dit. T'as suivi ou pas là les dernières minutes? Là, j'ai réussi à récupérer le postiche. L'aubergiste, du coup, est plus à l'hôtel. J'ai capturé le rat. Enfin, j'ai capturé le rat. Il est coincé dans la boîte. Donc là, ce que je veux faire, c'est récupérer des fringues chez le teinturier. Parce que je pense qu'il y a les fringues de l'argot dedans, donc il me les faut. Ou alors faire virer le cuistot. De ce que j'ai compris, en fait, le barman disait que tant que ça se passait bien avec le cuistot, je faisais rien. Et donc voilà. Je veux bien que tu me guides un petit peu sur l'un ou l'autre. Soit faire virer le cuistot, soit récupérer des fringues. Ça se trouve, les deux sont liés d'ailleurs. Soit récupérer des fringues. Là, j'ai un papier blanc aussi. J'ai un papier blanc et j'imagine que pour récupérer les fringues, en fait, faut écrire quelque chose sur le papier, quoi. T'as fait quoi pour le rat? Pour le rat, j'ai pris du fromage.
Je l'ai mis dans la boîte et ensuite j'ai. Bah regarde, on peut y aller en fait. Et j'ai coincé la boîte avec le bâton, avec la ficelle, et quand le rat s'est pointé, j'ai tiré sur la ficelle pour que le rat soit coincé. Donc là, le rat, tu vas voir, il est dans la boîte, il est coincé, et il y a les trois mecs rebous au-dessus qui dorment. Et il y a Marty qui est complètement sourd comme un pot, quoi. On peut maintenant... Oh, d'accord. Je pensais que si j'ai... Ouais, ok. Ok, je pensais vraiment que si j'ouvrais la boîte, en fait, le rat allait se barrer. Ok. Je pense que je dois l'utiliser avec... avec le cuistot, il doit avoir peur des rats ou un truc dans le genre, ou alors je balance le rat dans le dans la bouffe. Voilà. Ok. Je me doutais un petit peu que ça allait être ça. Le pauvre rat. Excuse me. Yeah, boy. Hey, how's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook. Ouais, après je vais regarder. Là, merci de m'avoir débloqué là-dessus. Et puis ouais non, le glavio, j'ai essayé pour l'instant de le récupérer, j'ai pas encore réussi. Mais pour l'instant, c'est ok pour les conseils. Merci, merci, merci à toi. Franchement, ça m'a bien débloqué. Ça marche. Ah merde. A little. How'd you like a career in the fast-paced world of pub food cuisine? Are you saying there's a thing? Yeah. You interested? Ah merde. Putain, je l'ai pas vu venir. Franchement, je l'ai pas vu venir. I don't know. How much does it pay? 420 pieces of eight a week. First week paid in advance. Hein? Ah, mais ça existe pas, ça, ce genre de truc. Sure, I'll give it a shot. Great, job is yours. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okie dokie. Dun dun. I hate fruit cocktail. La vie chissoise avec poil de rat. Bon, c'est trop lourd toujours. I've never been much for rodent seasonings. I've never been much for rodent seasonings. Ok. I'm no cook. Ah ouais, mais il faudra peut-être y mettre à un moment ou un autre, quoi. I'm no cook. I bet it weighs half a ton. Ok. Alors... Pour le glavio, j'ai ce qu'il faut. It's a bucket full of mud. I don't think that'll work. All I can see is water. Ouais. I hate vichyssoise.
Ouais. Would be mad if I left work early. Faut que je me barre par la fenêtre du coup. Quel petit salaud. Quel petit salaud. Ok. Donc j'ai fait virer l'autre. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre dedans ? Je vais essayer de faire des trucs avec le... Doesn't seem to work. No. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. That wouldn't taste very good. There's strange little white bugs all over it. Doesn't seem to work. Okay. I think I'm too clumsy to hold the stick and tie a knot. Ah non, ça me l'a déjà dit. Ça me l'avait déjà dit. Qu'est-ce que je peux faire? That doesn't seem to work. Non. Putain. J'ai ce qu'il me faut. Some clothes. You have your claim ticket, Sonny? No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you, but I can't give you your clothes without a claim ticket. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. C'est pas dans la chambre de l'autre bourrico là. Faudrait que je me grouille en fait. Ah, le paravent. Qu'est-ce qu'il y a ? I don't like to get naked in other men's rooms. Nice. Là, je suis planqué. Il va pas me voir s'il arrive. Ah, mais vite. It's already open. Non. It's a bit on the tattered side. I don't like to get naked in other men's rooms. Already open. It's a bit on the tattered side. Vite. It's empty. Ah. It's a bit on the tattered side. It's stuck open. Voilà, dans ce jeu, il y a aucun temps au chrono. Moi, je sais. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. Largo could be back any minute. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Hey! Merde. I was just leaving. Tu vois qu'il y avait il y a pas de draver dans son lit. T'as vu qu'il y a du timing en fait là, parce que Largo, j'ai un timing en fait là-dessus. Et si je mets trop de temps, il se pointe quoi. Donc il y a du timing. Hop, je vais essayer d'y retourner. Si je mets du fromage dans son lit, il va pas être content. What are you doing in here again?
peux y retourner. Leave me alone. Je vais faire chier jusqu'au bout. Scram, kid. Merde, c'est une boucle. Get out of my room. Ok. On va pas la prendre, je veux que tu l'utilises. Que ça reset. Fais le crachat en attendant que la voie soit libre. Ouais, mais le crachat. Je vais me faire engueuler s'il me voit, non? You're supposed to be cooking. I was out of milk. Nice try, but not good enough. You're fired. Ah. Ah. Le crachat. Est-ce que je peux absorber du crachat avec des avec des copeaux de fromage? A priori non. Ah mais there isn't enough spit to put in the bucket. Quoi? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. There isn't enough spit to put in the bucket. J'avais essayé le bâton, je crois. I should have listened to my mother. I should have practiced. Excuse me. Yeah, boy. Nice place you have here. Well, see ya. Ok. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. I should have listened to my mother. I should have practiced. Better leave it there. Don't want to hurt business. Hey, hired help only. Ouais, je me doutais qu'il allait m'engueuler. Il a retrouvé quelqu'un. Non. I hate fruit cocktail. The barkeep might see me. Ok. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut dans mon inventaire à cet instant en fait pour le crachat? Ou est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? J'ai tout ce qu'il faut dans mon inventaire pour le crachat? Et I don't think I should do that. There's strange little white bugs all over it. That doesn't seem to work. 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 I don't want to polish that. I don't think that'll work. Désolé, hein, je tente des trucs. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. That doesn't seem to work. Ouais. Le fromage. Euh.
Oui, mais pas les bons. Hein? Ah, je teste des trucs, mais pas les bons trucs. Me dites, c'est chiant. Le crachat est sur le mur et il faut le prendre. Ah oui, bah... Papier. Je l'ai testé, ça, non? Oh là là, mais... Putain, je croyais que j'avais testé, ça. Je croyais que j'avais testé. Et puis, j'étais persuadé que le papier... J'étais persuadé que le papier, c'était pour... C'était pour récupérer les fringues. Remarque, ça se trouve, c'est écrit quelque chose de maintenant dedans. Yep, it's Largo's. That's sick. That's sick. Ouais, je peux même pas l'utiliser. Ok. Alors, j'ai le fluide. J'ai potentiellement un cheveu, parce que j'ai le postiche. Donc je pense que c'est à lui. J'ai... Ouais, donc il manque les fringues. On va tenter un truc. Je veux vraiment tenter, en fait, de voir si on est planqué derrière le paravent. Ah, mais il est chiant, le automode. Faut vraiment que je le vire, le automode. Hop. Oui, le papier, c'est pour... c'est ce que la recette pour le pour la poupée vaudou, j'imagine. I don't like to get naked in other men's rooms. Ok, et là je bouge plus. Je vais essayer ça. Je vais attendre qu'il revienne. Ah non, tu me disais que ça marchait pas, Twinsen, qu'il n'y avait pas de délai, en fait. Là, je vais te poser une question. Voilà, je te pose la question directe. Est-ce que si je reste derrière le paravent, l'argot va revenir? Pas forcément. Ok. Donc, faut que je touche à des trucs, en fait. J'imagine que c'est ça, c'est faut que je touche à des trucs. Parce qu'à chaque fois, c'est que je touche à quelque chose, à chaque fois il revient. Donc faut que je touche à des trucs, et à chaque fois que je touche à un truc, je reviens direct vers le paravent et. It's already open. I don't like to get naked in other men's rooms. What? I was just leaving. What? C'est quoi mon idée pour avoir un vêtement? C'était le... aller chez le teinturier, en fait. Récupérer des fringues chez le teinturier. A priori, il n'y a que l'argot qui a assez de thunes pour se payer le teinturier, en fait. Donc... Mais le teinturier, ouais, il me dit qu'il lui faut le ticket pour récupérer les fringues. J'ai... Mais un teinturier fait quoi? Et de la... Il enlève les taches. Il enlève les taches. Ah. Faut que j'aille dans la chambre de l'autre enfoiré. Et que je mets de la boue dessus. Putain, il reste 3 plombes là.
It's sparkly clean. No ticket, no laundry. I think that'll work. I don't think that'll work. I don't think that'll work. It's already open. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Je sais pas, j'étais vraiment parti sur le saut de boue sur le lit, quoi. Tiroir, la commode. It's a bit on the tattered side. Un peu abîmé. La cire. I don't want to polish that. Go away! I was just leaving. Je chauffe ou je refroidis là? Ah merde, désolé. J'ai cliqué en dehors. Presque. Putain. Que faire avec la boue? J'ai essayé des trucs, quoi. Je pige pas. That doesn't seem to work. Pas la remuer, non. I don't think I should do that. I don't think that'll work. Ah non, j'ai pas tout essayé, j'imagine, ouais, mais. La boue dans la bouffe? Il serait assez con pour manger un truc plein de boue et avoir la méga chiasse après? I don't think that'll work. Bon, hop, ça j'ai essayé, ça j'ai. Hop. Boue avec le tiroir. I don't think that'll work. Ça marche pas. I don't think that'll work. Qu'attendre les polystyrènes, ça ne marche pas. I don't think that'll work. Ça marche pas. Le lit. I don't think that'll work. Ça marche pas. Avec le paravent. I don't think that'll work. Putain, ça marche avec rien là. I don't think I should do that. Ça, je peux plus le reposer, c'est sûr. Putain. I don't want to polish that. Non, mais polish ce que tu veux, quoi. De la cire partout, je sais pas moi. I don't want to polish that. Il faut bloquer la boue. Salut cactus. Il faut bloquer la boue avec. Hey, putain, je pige rien. Bon, vous avez 2 secondes pour me filer un petit indice si vous voulez, je vais chercher mon chat.
Je suis sur Discord en même temps. Sorry si je réponds pas. Non mais... La boue au-dessus de la porte. Putain, une blague très vieille. Ok. Vous voyez, donc ouais. Le truc, on appuie... on peut pas... Ah bah si, la porte. Bah oui, je peux sortir. Ah oh, ouais, non, ok. Ah bah oui, forcément, il me fait chier. Oh là là. Oh, il y a des trucs... Mais vous là les joueurs experts de Monkey Island, vous l'avez fait avec ou sans les solus? Parce que enfin il y a des trucs putain, faut y aller quoi. C'est chaud cacao quoi. Sans solus. Ça, genre, vous aviez eu l'idée, quoi, le saut de boue. Ah ouais. It doesn't seem to stay closed. I think I hear Largo coming. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry. Maybe I shouldn't have done that. You looked pretty steamed. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les trucs en surbrillance, quoi, en plus. Tu me disais... Ah, son ticket derrière la porte. Hein? Bon, non. It doesn't seem to stay closed. It's already open. Ok. Et j'allais voir le teinturier. My name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry. Don't worry about me. I've been dry for 3 years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up, or else. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Merci pour les coups de main, du coup, hein, parce que là, franchement, je pense pas que j'aurais eu l'idée de mettre le seau sur la porte, clairement. J'avais même pas vu que je pouvais interagir avec la porte, donc forcément. Des choses plus complexes. Ah bah. Ouais, mais il y a. Enfin. Je l'ai montré sur le 1. Il y a des fois, je bloque sur des trucs cons.
Et il y a des trucs où paf paf, j'enchaîne, ça me paraît logique quoi. Et donc ça dépend en fait, ça dépend vraiment des énigmes en fait. Il y en a certaines qui sont. I'll see what we have ready for Mr. Legrand. Les trucs qui sont cons et que j'arrive pas à voir. Et au contraire, des trucs un peu plus compliqués où j'y arrive direct, quoi. Quoi? I guess I'll be going now. Plaît-il? No ticket, no laundry. Plaît-il? Alors, on va voir la Voodoo Girl. Ok, j'ai Rabia qui se tape son petit quart d'heure délire là. Qu'est-ce qu'il y a à mon inventaire? Nice April Fresh scent. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Ouais. Si c'est son vêtement. Bah oui, c'est bien ce que j'avais compris. Back again, Mr. Threepwood. About that voodoo doll? Have you brought me the ingredients? I have his toupee. Not quite a part of his head, but maybe I can get some scalp fragments from it. Have you brought me any other ingredients? I have some of his spit. Excellent. You may keep the paper. Have you brought me any other ingredients? I have the bone of his grandfather. Perfect. Do you have the final ingredient? Oui, je l'ai. I have this pearly white bra. Yes, that will work. At last! Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Who do we assassinate? Largo, Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still work, but it will have a limited range. Ah. You will have to get close to Largo. Very close. Ah, évidemment. J'ai les aiguilles et, I think Largo's out of voodoo range. Ok. Faut le faire manuellement, quoi. Alors, il va être où ce petit coquin de Largo?
On va essayer de le retrouver en ville. On va voir s'il est dans sa chambre ou pas. L'aubergiste, il est toujours pas revenu. Hey, what are you doing in here? Get out of my room and stay out. It's people like you who make people like me who we are. A man's room is his castle. A man's room is his castle. You're invading my privacy. Get out of here. Oops. Peut-être devant la porte. I think Largo's out of voodoo range. Ok. Aller au bar. Excuse me. Yeah, boy? Grog, please. I'll need to see some ID for that. In that case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. Alors. Si on y retourne. Ça va faire. It's people like you who make people like me who we are. Ah mais je peux l'utiliser en fait. Why can't you leave me alone? It's people like you who make people like me who we are. Take that, you stumpy little dim-witted toad. What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this. I'm gonna tear you limb from limb. What? How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious, two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh. Well, I command you to leave this island. Just you try and make... Ah! Ooh! That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What? Je m'en doutais. You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that? Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Oh là là. Oups. Qu'il est con. Mais qu'il est con. I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. Il va pas sentir très bon, hein. Yes. He's gonna try to kill me. Undoubtedly.
what can I do? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Wow. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Putain, un livre. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth? Where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I do, yeah. I used your name when I checked it out, so be sure and return. The Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Ok. Ah, j'ai toujours la poupée. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth? This is fascinating. It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They bury their treasure along with plenty of... Uh-oh. Booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map, which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. La America's Cup. Mais quel bel anachronisme. Ça donne quoi, tiens? Row, row, row your boat. Ok, ils ont dit que il y avait le truc du machin là. Looks closed. This door appears to be locked. Oh là là, mais genre il peut pas l'ouvrir. Oh là là, c'est infernal. Force là la porte. Ah, vas-y. Défonce là, coup de pelle. I can't dig that, Daddy. Ah mais. Oh. Alors, les copains, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? He's back. Ah bah oui, je peux leur dire. C'est bon, Largo est parti. Stop worrying about Largo. He's history. Oh, really? He must have finally got that nasty letter I wrote. You sure can write a mean letter, Fink. Alors. You guys know any more piratey songs? Oh, I wish I could parley some French with Governor Marley. I'd say to her, voulez-vous. Okay, that's enough. No songs about Governor Marley. Looks like Guybrush is still carrying a torch for the governor. Too bad he can't even talk to her in English. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Sorry, Mr. Sensitive. The only other songs I know are dirty ones about Governor Marley. Me too. Well, I'll see you salty dogs later. Oui. Je vais aller voir l'autre là qui loue les bateaux. Ah bah non, il y a celui avec les cartes. I can't reach it. Hein? Quoi? C'est le jeu.
Je vais lui parler quand même au barman pour dire que l'autre con est plus là. Excuse me. Yeah, boy. Largo LeGrand has left Scab Island for good. Well, well. I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally. Oh. Don't worry, I don't put them in all the drinks. Nice place you have here. Well, see ya. Ah oh là là, il mettait du laxatif dans les verres, quoi. Quel gros prank. T'as les gros prankers, quoi. En parlant de prankers, je vais juste regarder... qu'est-ce que fait notre cher Avorpal ce soir, qu'il a dit tout à l'heure qu'il était en live. Il partait en live. Et je veux juste voir ce qu'il fait. Ah, il finit Blackwell, ok. Ah, c'est cool. C'est cool. Hop. Bon, restez ici, hein, mais... les lives de Harbour Pal sont cool. Hein, si jamais vous avez l'occasion de passer un de ces quatre. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Hey, hop. I did it. Largo LeGrand left Scab. That's great. I guess I can stop with the bricks through his window now. Ah, mais tout le monde. Here, monocle. Here, boy. Tout le monde essayait de le pourrir, quoi. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Thanks. I gotta go. Okie dokie. I'm gonna die hungry, blind, and alone. What is that? I can't see a thing. All I want is my monocle. Ok, bon, je vais lui rendre son monocle. Crud. Mais, non, je lui rends son monocle. Mais, à chaque fois, je clique à côté. I hope it didn't roll onto the floor. Oh, there it is. Hop. Thanks. Mais, t'as regardé ou pas? Wally? No thanks. Comment ça, no thanks? Connard. C'est comme ça, je me casse. Je te laisse ton monocle. I made Largo leave this island. You made cards out of sand. Do I care? I guess I'll be going now. Est-ce que je vais pouvoir les réveiller? Ils s'en foutent. Ils sont vraiment pas sympas. Est-ce que l'aubergiste est revenu? Nope. du coup... Pourquoi je suis revenu, moi? Bon, je vais lui parler à lui aussi. Pour me la raconter. Yeah? Largo LeGrand will never bother you again. Yeah. I heard Marty stuck a bunch of pins in his underwear or something. He drove him right out of town. No, it was me. You? What were you doing with Largo's underwear? Well, no, never mind. I'd like to look around a bit. Sure thing. Allez, je vais aller voir l'autre pour les bateaux. Mais j'évite quand même un Gaybrush. Me again. So I see.
What can I do for you this time on? Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has. Ah oui, non, c'est vrai, lui, là. Le... I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Ah. Il y a le... Il y a l'œil. Porte-bonheur. Hop, j'ai plus les stats. Comment ça se fait? Ok. Alors, il y a le cimetière, les marais, la plage. Désolé, hein, je parcours la carte pour voir si j'ai quelque chose. Au cimetière. Hier, je pouvais rien faire. Au cimetière, je pouvais rien faire. Big whoop. Unclaimed bonanza or myth? It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaving at the time. Okay. Stan's Cozy Crypts, a place to spend eternity, not a fortune. It's locked shut with a big rusty lock. Un gros verrou. I don't think I should pin that. Okay. It's blank and kind of soggy. Ouais, j'ai toujours le papier. Là, j'ai des tombes, on s'en fout. Les pierres tombent, on s'en fout. Les tombes. On a. Nice. Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. The good news is, he's dead. The bad news is, he bred. C'est qui? There once was a girl named Carrie, who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. This ground looks too hard and dried up to dig. Ok, donc là celui-là non. I don't think I need to see the remains of Jean-Louise. Jean-Louise. I don't think there's much of old Jim left to dig up. Ok. Donc il y a potentiellement celui-là où je peux faire quelque chose. Mais pour l'instant c'est trop sec. Donc faudrait que ça soit mouillé. It's too soggy. It's blank and kind of soggy. Ok. On peut pas les ouvrir, ça sert à rien à chaque fois. It looks like it's been sealed shut, but then again, why would I want to go in there? Mm-hmm.
Here lie the Gordo brothers, too big for any ship. Let's hope the Earth can hold them. Est-ce que j'essaye? Non. C'est ça que je voulais faire. Est-ce que j'essaie de creuser là? I can't dig that, Daddy. Ok. Pierre tombale, on peut rien y faire. Marais, la plage. J'ai rien récupéré de plus là. Qu'est-ce qui me manque? Je sais même pas ce que je cherche en fait là. Si là j'essaie de trouver les. J'essaie de trouver les bouts de cartes. Donc j'ai le bouquin. J'ai le bouquin de sur Biougoop qui me dit quels sont les 4. Les 4 pirates qui avaient les 4 morceaux de cartes. Mais voilà, là j'en suis là. Je sais qu'il y en a un, c'était le vendeur de saucisses là, mais je peux pas ouvrir le truc. Est-ce que je peux essayer de crocheter la. Est-ce que je peux essayer de crocheter la serrure avec les épingles? Est-ce qu'il est assez balèze pour faire ça? Non, a priori, il est pas assez doué pour ça. Wrap scallion steam and weenie hut. Place order here. La porte, il y a l'auberge à saucisses. La porte et le panneau. T'as visité tous les endroits de l'île? Ça me dit pas que je suis passé à côté. J'ai scanné toute la. Il y a Bob Marley. Il y a Bob Marley et son bateau. Il y a la plage, là où je suis. Il y a la ville. Il y a le cimetière. Et il y a. Il y a le marais. Et Bob Marley, il m'a dit que il a perdu son. Alors, il m'a dit qu'il y avait le. Il pouvait pas de toute façon prendre le bateau parce qu'il y avait l'argot qui faisait chier. Mais l'argot, c'est bon, c'est plus un problème. Et il a dit que il y avait son copain. Il y a son copain avec l'œil, le collier avec un œil, l'œil de son pote. Mais là, j'ai aucun indice sur l'œil du pote, quoi. Mis à part le cimetière. Là j'ai regardé les. Alors il y en a une. Elle est scellée avec une grosse clé rouillée. Mais je vois pas avec quoi je. Ah bah j'ai pas essayé les. J'ai essayé les aiguilles ou pas? Demande-lui pour avoir le phrasé exact. Peut-être ça aidera. Hein? 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 C'est Bob Marley. Me again. So I see. What can I do for you this time, man? Alors. Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace.
I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, Mon. Come again. Oh putain. Oh putain. Oui, oui, non, mais c'est bon. D'où le oh putain, oh putain. Un œil qui a vu le monde, le monocle. Le monocle et qui a vu toutes les cartes. Ok. Ils sont plutôt pas mal, tes indices. Franchement, ils sont pas mal, tes indices. Je les aime bien. Hello. Ouais, vas-y, pose-le ton machin. Pose-le ton merdier. Allez, hop. Non, vas-y, prends. Merde. Putain, il est rapide. Il est rapide. Pose-le. Putain, l'œil qui a vu le monde, quoi. Oh là là. Oh là là. Allez. Allez, avance, Guybrush. Allez, avance. Les viewers sont en train de partir. Vite. Vite. Fais les énigmes, vite. Mon statut d'affilié en dépend. Bah ouais, parce que là, à partir du moment où je vais pouvoir me trimballer en... Me trimballer en bateau, j'imagine que je vais pouvoir aller sur les différentes îles. Donc oui, effectivement, ça va sûrement me débloquer. You like my monocle? Thanks, Mon. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for ya? Eh ben, je veux un batio. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Actually, I do have that much. Well, Mon, consider my ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. Yeah, part 2. Les 4 morceaux de cartes. Tu vois, Twinsen, tu vois que je suis au chapitre 2. Tu vois que tu as mauvaise langue. Caribbean, hidden by an endless storm, lies LeChuck's fortress. So, when are we gonna resurrect the old bloated... Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood. And I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Bigwop. Il a pas l'air très en forme, hein, le Chuck, hein. Un petit teint verdâtre quand même, hein. It's empty. It has a picture of a parrot on the front. Okay. Welcome to the Jolly Rasta. Where do you want to go? Alors, je voudrais juste naviguer sans but pendant un moment. C'est beau. C'est beau. I don't know. What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. A Booty the Island. The French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine Marley. Yeah. And last, there is Fat Island, a fascist dictatorship run by an overbloated pig named Governor Fat.
Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. On va aller à Bouty. On va aller avoir notre, notre meuf. Qu'est-ce que... Hein ? Pourquoi c'est si long ? Putain mais il est défoncé ! Putain mais il est défoncé bord de Marley, v'là le... V'là le détour qu'il nous fait faire quoi. J'espère qu'il est pas en train de dessiner une bite. Hein. Je vous promets, je me fais pas ban de Twitch parce que Bob Marley a dessiné une bite. Hein. Ah, encore des canons. Encore des canons. The sign says the Booty Boutique, mementos, souvenirs, artifacts. Ah. Un perroquet. I'd like to buy this well-polished old saw. Excellent choice! That'll be 25 pieces of 8. Okay, I'll take it. Thank you. Putain, les enjoliveurs. L'assiette de Elvis. Oh, les lumières tiki. Non, mais oh là là. Le panneau, le masque. Ah, qu'est-ce qu'il dit le panneau ? It says beware of parrots. I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Okay, I'll take it. Thank you. J'ai tout acheté, je vais pas lui parler. Nice shop you got here. Thanks. I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Mec, tu viens de me vendre un papier quoi. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume. I have to go now. Où est-ce que je lui file les graines au perroquet là? Bag is empty. Ah merde. I'd like to buy this treasure chest. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. OK. I'd like to buy this barrel. That's great, huh? Too bad it's not for sale. I'd like to buy this mask. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Le fouet d'Indy. I'd like ouais. To buy Indy's whip. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. Trademark. I'd like to buy these gross skulls. Actually, those belong to my son. They aren't for sale. I'd like to buy this left turn sign. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Ah, le mec, il vaut rien là. I'd like to buy these pirate hats. Great. They are 30 pieces of 8 each. Ouais, j'achète tout. J'ai de la thune, faut en profiter. C'est le Black Friday aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, faut y aller quoi. I'd like to buy this anchor. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. I'd like to buy these tiki lights. I just keep those here because they're cool. They're not for sale. Oh, I'd like to buy this vase. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. I'd like to buy this wreath. Great! That'll be 20 pieces of 8. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you.
Désolé, hein, je fais mes emplettes. Hein. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. I'd like to buy this small picture frame. That's great, huh? Too bad it's not for sale. I'd like to buy this thing. Yeah, I like that too, but it's not for sale. I'd like to buy this ship's horn. Excellent choice. That'll be 40 pieces of 8. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. La gueule de mon inventaire, quoi. Il va être... I'd like to buy this rock and roll collector's plate. Excellent choice. That'll be 199 pieces quoi? Of 8. On second thought, I'd better save my money. Your loss. I'd like to buy these hubcaps. Okie dokie. They're 50 pieces of 8 each. Okay, mais j'ai combien de thunes from Overstock. Here you go. Thank you. I'd like to buy this cannon. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of 8. You want what? It? I can't afford that much. Too bad. It's not mine to use. It's too soggy. Ok, non. Putain, mais les merdes que j'ai dans mon inventaire. I'd like to buy these cannonballs. I just couldn't part with those. They have sentimental value. Ok. Je crois que j'ai quasiment tout fait. Hein. Et la plume. I'd like to buy this feather pen. I see you have an eye for quality. That'll be 10 pieces of 8. Ok, j'achète. Let me get you one from over. Non, j'ai pas fini, non. Non, non, clairement, j'ai pas fini. Et il y a Twinson tout à l'heure qui me disait même bah dis donc, t'es pas encore au chapitre 2. Donc non, j'avance pas très vite. Combien il me reste de thunes? 121, c'est ok quoi. La jambe de bois. Je vais acheter la jambe de bois. Ok. Je crois que j'ai pas fait le miroir. J'ai une couronne. Ouais. I don't want to make that parrot mad. Je vais pousser, hey, don't do that to my parrot. Ok, ok. Oh, c'est bon. Utiliser. Hey, don't do that. Eh, je peux lui parler. Wow. Allez, la photo d'Elvis. Enfin, J'ai plus l'impression que c'est Dick Rivers, hein, mais... Ok, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. Ok, bon. J'ai tout acheté, qu'est-ce que je voulais, hein. Tout testé, j'ai pas pris le fouet des indies parce que on n'a pas le droit, mais... Welcome to the costume shop. Est-ce que... Oh, est-ce que je peux... Hey, don't touch that. We only set that off when the mailboat comes in. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Je crois qu'ils aiment pas trop le courrier ici. Gee, I wonder if he's loaded. Parle du vieux. Gee, I wonder if he's loaded. Ok. Sorry, son. Didn't have my horn out. Could you say that again? I said hello there. My name's Threepwood. Oh, why, hello there, Threepwood. You in town for Mardi Gras? No, I'm on a treasure hunt. What? They're doing a treasure hunt again this year? I can't believe they'd try that again after all the mishaps last time. Dang, there goes all my fun. Well, if it's fun you're looking for, I hear Governor Marley is having some super shindig up at her mansion. Alors. Marley? Huh, that's funny. I used to date a Governor Marley.
Oh, sure. And I'll bet you helped her beat LeChuck, too. Oh là, il y a la preuve. In my pocket. Whoops. Hey, hey, kid, it's okay. Mardi Gras is the time for fantasy. Now just run along and enjoy yourself. Quel con. Hello again. Eh? What was that? What kind of mishaps were there at the treasure hunt? Well, some people got carried away. Some graves got dug up. Horrible business. Well, enjoy Mardi Gras. Bah sur la droite, bah attends. Attends. J'ai discuté avec le petit vieux là. You're talking to me, boy? Hey, old man. How about blowing off the cannon? How about just blowing off? My name is Augustus DeWatt, not old man. And this cannon is for official purposes only. Hello again. You again? Still mumbling, I see. And what are the official purposes of this cannon? I watch the sea. When the mail boat arrives, I blow this cannon. Dang ship's 3 days late. You don't have a brother named Marty, do you? Boy, the only Marty I know is Mardi Gras. Who? Mardi Gras. It's a joke, boy, a joke. You are here for Mardi Gras. Eh? T'as vu Twinsen, il fait les mêmes blagues que toi? T'as vu? Is this the right time of year for Mardi Gras? Son, it's always Mardi Gras on Booty Island. I used to be the governor of this island, but I never had any time to come down here and enjoy the party, so I quit. And now I watch out for the mailboat, which reminds me, I have to get back to work. Hello again. Oh, yes. Well, are you enjoying Mardi Gras? Yep, can't talk now. Having too much fun. You kids today, always on the go, go, go. Wake me up before you go, go. Sunken galleons. See the world. Last day before I leave for Fat Island. Sightseeing. Cruises. Sightseeing. Sunken galleons. 3 hour tours. Check it out. Ouvrir la femme Glass au... boat. Hein? Glass hein? Boat. Eh, c'est trop bien, regardez ma cam. Ma cam, elle est dans le... Dans les petites lumières qui clignotent. C'est trop chouette, non? Regardez, on a l'impression que c'est moi qui clignote. Eh non? Non, non, c'est nul. Ok, moi je veux l'ouvrir, allez. C'était prévu. C'était prévu, il dit what, ce con. Je la pousse. I think she'd slug me. Est-ce qu'on peut la tirer? Sightseeing. See the world. I think she'd slug me. 3 hour tours. What are you looking at? Cruises. See the world. Est-ce qu'on peut la prendre? 3 hour tours. Sunken galleons. What's a nice girl like you doing in a place like this? Trying to avoid guys like you. Sunken galleons. Oh. Boom. Hi, my name's Guybrush. I'm Captain Kate Capsize. Like to charter a ship? I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. Kate Capsize, mais Mais on en a parlé déjà dans le premier, Kate Capsize. C'était qui? C'était qui dans le 1, Kate Capsize? J'ai un trou. Mais ouais, dans le 1 aussi, elle. Could I have one of those leaflets? Yeah, okay. Could I have one of those leaflets? Hey, these things cost money. I'm interested in chartering a ship. Great.
Not many bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of 8. Don't you think 6,000 pieces of 8 is a bit high? No, I don't. I don't have that much. I guess you'd better find some more then, huh? Check it out. See the world. Check it out. 3-hour tour. Je voulais lui ouvrir quoi? L'ouvrir en deux, voir comment elle est faite à l'intérieur. I'm searching for the treasure of Big Whoop. Yeah? When I was the first mate on the Limping Limpet, we went in search of Big Whoop. We'd heard it was buried under a place called Blinky Island. Never found the island or the treasure. The captain eventually died of boredom while we were crossing the Sea of Beige Flotsam. I hope your luck is better. I just remembered, I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me. La boutique à droite, oui, je commence à voir le ST. Le ST, je me doute de ce qu'il y a derrière, en fait. Est-ce que ça serait pas suivi par AN? Et bah, exprès, je vais aller au costume shop. Ah, je veux vraiment voir qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, non, c'est... C'était déjà bien con à l'époque. Hein. Putain, il est quelle heure? Parce que là, je commence vraiment à bailler beaucoup, là. À 23h19, ouais, peut-être falloir... Je vais peut-être pas tarder. This is really nice. This is really nice. I had one like that when I was a kid. Mais les monkeys. Great costume. Allez, le boutiquier. Excuse me. I'd like to rent a costume. Our costumes are all gone. Or on reserve. Sorry. But you have tons of costumes. They're all reserved and waiting to be picked up. Why are your costumes so popular? I'm the only costume shop in a 5-island radius. And besides, everybody who's anybody is going to the big Mardi Gras celebration at Governor Mardi's. Ah, va falloir que je trouve un costume pour aller à la fête. Hein. I'd really like to rent a costume. Try us after Mardi Gras. I'd really, really like to rent a costume. Look, if you don't have a reservation, you don't have a costume. I need to rent a costume. I don't have a costume for you. I have to rent a costume. I don't have a costume for you. My life depends on renting a costume. Ah, les relous. Sorry, can't help you. Did I ask you about renting a costume yet? I don't have a costume for you. I'm looking for a costume. I don't have a costume for you. Please rent me a costume. Please rent me a costume. I don't have a costume for you. Ouais, on a fait le... You look busy. I'll come back later. On a fait le tour. Ok, bon. Il y a plein de costumes, mais a priori, je peux pas en avoir. On va ressortir. See the world. Check it out. On a reçu. Sightseeing. Capsized charters. Glass bottom boat for sightseeing or special interest voyages. There's a picture of her on it. Glass bottom boat. I always wanted one of these. Check it out. Just like the pen from Mom and Dad's wedding. Glass bottom boat. This might make a nice wall hanging. Cruises. Made in Hong Kong. Merde. It's never too early to prepare for the holidays. Inspected by 27. Sunken galleons. Beware of parrot. It may be old, but it's still shiny and sharp. Sightseeing. Allez, qu'est-ce qu'il y a à droite? Check it out. Cruises. Previously owned coffins. Oh là là. Oh, c'est d'un goût. Check it out. C'est d'un goût, dis donc.
welcome to Stan's previously owned coffins. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck! Just look at all this quality merchandise. Never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. Ah, la clé. Or are you dead? Either way, you came to the right place. La clé, qui est... Stan, bah évidemment que c'était Stan. LucasArts est mort. Ah, il y avait déjà le logo, hein. Voilà, un cercueil avec le logo LucasArts dessus, c'est très drôle. Et une petite clé qui me plaît bien, là. You used to be a used chip salesman? Well, yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. Effectivement. Effectivement. Do you do funerals? Of course we do funerals. And not just those somber, all-black, three-handkerchief affairs. We do it in a rowdy Mardi Gras style with music and dancing and pallbearer races. I'd like to say we put the fun... in funerals. We put the fun in funerals. Ok. Je suis pas encore prêt pour un cercueil. I'm not actually in the market for a coffin yet. It's never too early to make funeral arrangements. Making plot reservations now ensures you a space at our popular Scab Island Internment Park, as well as entitling you to discounts on park rentals. Rentals? You know. For barbecues, parties, that sort of thing. I need to get something embalmed. Well, you came to the right place. Your loved ones deserve Stan's special preserve. You won't smell a whiff when we're done with your stiff. I never knew morticians were so clever. Actually, I'd just like to browse. Sorry. Health regulations prohibit me from allowing uncertified persons free access to used internment paraphernalia. Oh, shucks. I gotta go. See you later. Here, take this complimentary... Coucou Melzekiel. Bah, merci d'être passé. De toute façon, là, ouais, moi, je pense que je vais vraiment pas tarder, quoi. Je pense que je vais pas tarder. Là, si on change de... Ouais. Glass bottom boat. Sunken galleons. Cruises. Okay, now, who's gonna be next? It's a great day for spitting. Class. Just look at this juicy crowd. Step up to the line. Yes, moi je vais m'arrêter ici. Hop, on va sauvegarder. Et hop. 27%, ok, on a fait un quart du jeu. On a fait un quart du jeu en 3 heures, donc on a pour une dizaine d'heures à faire le jeu, hein, si ça continue à cette vitesse-là. Hop, quitter le jeu, sauvegarder, quitter. Hop là. Bon bah c'était cool. Voilà, le jeu et le 2 est encore très marrant. Je me suis tapé des bonnes parties de rigolade encore sur le 2. Donc, on va le continuer sûrement ce week-end. Voilà, j'aurai du temps ce week-end. Donc, on va sûrement se faire une ou deux parties ce week-end, soit demain, soit dimanche, soit les deux. Demain après-midi, avec Season, il y a encore le Multiland, donc je vais regarder qu'est-ce qu'elle a prévu comme jeu demain après-midi, et puis en fonction des jeux qu'elle a prévus, j'irai sûrement faire un petit tour sur le Multiland, enfin que je streamerai évidemment. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette petite session de Monkey Island 2, si ça vous a plu...
ou si ça vous a vraiment plu, si c'était exceptionnel ou si c'était vraiment génial. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En attendant, ouais, je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un chez qui faire un petit raid. Ah, bah il y a Avorpal. Il y a Avorpal qui est encore en stream, donc on va aller faire un petit raid chez Avorpal. Hop. J'étais pas trop attentif. Ah, et pas de soucis. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà, si tu viens ce week-end, ça peut être cool. Hop, bon, sur ce, moi je vous envoie chez Avorpal, vous pouvez lui dire un petit coin pour lui faire comprendre que ça vient de chez moi. Moi, sur ce, je vous fais des bisous, bonne nuit, et on se revoit ce week-end pour la suite du Multiland, je pense demain, avec Season. Et puis pour du Monkey Island 2. Voilà. Des bisous, merci à tout le monde d'être passé, ça m'a fait super plaisir, bye!